Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Comme à chacune des éditions que nous vous proposons, nous découvrons des artistes locaux. Nouveaux artistes bien souvent, des artistes confirmés qui ont un nouveau projet en tous les cas. Couleur Pays, c'est le rendez-vous de ceux qui font la création musicale locale dans notre département. Et plus axé autour du Séga, c'est vrai parce qu'on aime beaucoup le Séga, et tous les autres genres de musique ont également la possibilité de se retrouver dans cette émission. Pour ce jour, je vous propose de découvrir un artiste qui nous vient de la zone de Sainte-Suzanne, donc de la région Est, qui fait du Séga et qui en a fait sa passion. Le groupe ou le libellé de l'artiste, c'est Radia Séga. Ça peut vous paraître étrange. En tous les cas, c'est comme ceci qu'il s'appelle. Nous allons les découvrir ce soir dans votre émission Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Radia Séga, c'est le groupe, les deux personnes qui composent cette formation. Et parmi ces deux personnes, nous avons François avec nous. Bonsoir. François, je suis très heureux de t'accueillir au micro de Couleur Pays pour nous présenter d'abord Radia Séga, qui est un groupe avec deux artistes, puisque vous êtes deux frères. Présentation d'abord de ce que vous êtes et comment ce groupe est né. Bon, voilà. Le groupe est né d'après... À moi, avec mon frère, nous l'a démarré déjà depuis un moment dans la musique. Et nous, nous appelons Pemal Marinha Radia. Ça, c'est nous. Ça, c'est nom, nom de famille. Termine par Radia. Voilà, Radia. Donc, nous n'utilisons pas beaucoup le Radia. Nous utilisons plutôt Pemal Marinha. Et comme nous, on n'utilise pas l'hydro, en cherchant, nous dit Rod a un nom pour mettre le groupe. On a dit pourquoi pas ça, pourquoi pas Radia. Radia, mais après nous l'ajoute de Séga, ben c'est là que l'a fait Radia Séga. C'est là les venus, le groupe Radia Séga. Radia Séga, c'est François et Valéa, à moi et mon frère. C'est, voilà, c'est ça le groupe Radia. Très bien, l'explication claire maintenant, parce qu'on pourrait dire Radia, c'est peut-être un radiateur, ou c'est irradier le Séga, ou non, c'est beaucoup plus simple, c'est la terminaison du nom de famille, Pemal Marinha Radia. Voilà. On sait souvent les noms qui sont à consonance indienne sont assez longs, mais il y a une signification à ça toujours, hein, la longueur des... La longueur des noms, oui, il y a plusieurs noms, c'est par rapport, étaient donnés par rapport aux ancêtres, tout les filiations. Ça. Voilà, les filiations, chacun arrivait avec un nom qu'on ajoutait à chaque fois aussi. Très bien. Alors, vous êtes dans la musique depuis longtemps, toi et ton frère, mais précisément, quand ça vous rentre vraiment dans la musique, ou est-ce que vous avez toujours été proche de la musique, dans l'orchestre bal, ou été dans des animations radio crochet, ou des genres de choses? En fin de compte, on a commencé, on avait un frère qui jouait un peu dans un orchestre. L'orchestre qui appelle le groupe Vani. Donc, ça a été créé par mon frère. Avec les cousins, c'est un petit orchestre de famille qu'on faisait le dimanche, tout ça. Donc, nous l'arrivée, nous la baignons un petit peu dedans. Mm-hmm. Baignons un petit peu dedans, nous la venue. À moins avec Valéa, nous t'y chante. C'est que nous avons toujours fait depuis que nous connaissons la musique. Donc, elle a été formée comme ça. Nous t'y faisait des petits radio-crochets aussi. Et nous faisait aussi, quand ils donnaient le cadeau, la fête des mères. Nous t'es ça va avec le petit orchestre, les animations des quartiers, nous t'es accompagne, nous t'es fait des voilà avec la mairie, nous t'es faisait des petits petites représentations comme ça. Donc t'es fait découvrir nous, donc nous t'es yem, voilà chanter et le public voilà t'es yem ça aussi voilà. D'accord. Voilà. C'est comme ça l'encourage à eux pour continuer. Voilà, et c'est là aujourd'hui, ben après l'orchestre a été arrêté, bon c'est pas facile maintenant, vous trouvez les musiciens former un groupe au roi des batteurs ou bien au roi de un clavier ou un guitariste n'est là t'es pas là donc l'a diminué comme ça. Bon après l'a resté à moi. Ça on était dans quelle période, dans quelle année? C'est avant 2000, après 2000? Avant 2000. Mais après nous l'a calmé un petit peu, nous dit bon, nous l'a décidé de reprendre à moi avec Valéa. On avait chacun son petit guitare, comme d'habitude. On a une guitare acoustique, là, vous jouez avec le téléphone.
en train d'enregistrer des petites mélodies, des paroles, tout ça, regarde. Il nous dit, ben, pourquoi pas nous lancer à nous un petit coup pour voir que ça, il donne, que ça, il donne. Parce que c'est déjà une passion, hein. Nous aimons chanter, c'est ça, hein. À nous, la musique, chanter Sega, 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 beaucoup de Sega. Nous t'ai chanté beaucoup aussi du Sega mauricien. Donc, après, pas trop longtemps, on a quelqu'un, la fait à nous bien. Pas quelqu'un. Donc, nous l'a aimé. Chanter le créole aussi, parce que c'est Gala Réunion, et nous l'a trouvé, ben, pourquoi nous chante pas notre langue au lieu qu'elle chante la langue et les autres, voilà. Quoique, entre le Mauricien et le Réunion, il y a beaucoup de cousinage. Oui, voilà, oui. Et quand vous dites une personne la plus sera là-haut vers la chanson locale créole, c'est qui? En fin de compte, il y a moi, c'est Patrick. Patrick. En fin de compte, il y a déjà moi et François, sente pas mauricien, sente et créole. Donc, c'est lui, il y a déjà moi, les mieux, parce que c'est notre langue. Et, par exemple, il y a un exemple qui est marquant, c'est Cliff Azor, qui lui est un mauricien, qui vit à La Réunion, ouais. Mais dans ses Sega, il chante beaucoup en Sega créole La Réunion. Ouais. Moi, il trouve que... Quand un Mauricien il chante le créole, est un peu plus joli que quand nous réunionnés, nous chantons le Mauricien. Oui, peut-être. Ouais. Peut-être aussi. C'est mon opinion à moi. Hein. Si ça se trouve, peut-être, voilà. si vous chantez en créole mauricien à Maurice, les Mauriciens trouvaient ça peut-être un peu joli parce qu'il y avait un petit accent voilà, un peu exotique. Aussi, voilà, peut-être c'est ça, peut-être aussi. Hein. Peut-être. Voilà. En tous les cas, le choix du Sega est fait. Sega de La Réunion, d'abord. Oui, voilà. Et que nous retrouvons dans un premier extrait des deux réalisations que vous avez faites sur l'album qui est sorti il y a quelques temps et dont on va parler dans un instant dans Couleur Pays. Dans la fête qui commence, créole l'épanouie. Ici l'ambiance, La Réunion, y est pas nos soucis. Ils mettent la joie dans nos cœurs, nous les dans la bonne humeur. Nous attendent de tout cœur la musique et ça fait péter. Dans le monde de la nuit, les nains jolies cafrines. Les gars défilent sur la piste pour trouver jolies filles. Ces gars des graines si platines, nous n'avons pas besoin de vitamines. DJ, ils donnent pour aller, nous les prie pour nous amuser. La soirée, nana, l'ambiance dans le discothèque. Les vraiment très jolies, nous ça bien défouler. Les animations, ils m'ont pas là, nous toutes les contents. Côté côté, les vraiment très jolis nous ça bien défouler. S'animation ils n'ont pas là nous toutes les contents. La fête on s'en mettra pas de côté. Ça fait péter. Dans le monde de la nuit, les nains jolies caprines. Les gars défilent sur la piste pour trouver jolies filles. Ces gars des graines si platines, nous n'avons pas besoin de vitamines. Budget ils donnent pour aller, nous les prie pour nous amuser. La soirée, nana, l'ambiance dans le discothèque côté. Les vraiment très jolies, nous ça bien défouler. Les animations, ils m'ont pas là, nous toutes les contents. Côté côté, les vraiment très jolis nous ça bien défouler. Les animations ils n'ont pas là nous toutes les contents. N'a fait la fête on s'en mettra pas de côté. À soi nana l'ambiance dans le discothèque côté. Les vraiment très jolis nous ça bien défouler. Les animations ils n'ont pas là nous toutes les contents. N'a fait la fête on s'en mettra pas de côté. À soi nana l'ambiance dans le discothèque côté. Les vraiment très
joli nous ça bien défoulé. Sa animation rime pas là nous toutes les contents. N'a fait la fête on s'en mettra pas de côté. À soi nan à l'ambiance dans le discothèque côté. Et vraiment très joli nous ça bien défoulé. Sa animation rime pas là nous toutes les contents. N'a fait la fête on s'en mettra pas de côté. La fête, c'est le titre que l'on a retrouvé, titre qui figure sur le nouvel album, premier album de Radia Sega, et avec d'autres chansons qui sont programmées sur ce CD, à l'hymne de feu entre autres, qui est le titre indicatif de voilà. Cet album qui a été enregistré donc chez Mirage, Patrick Nemdila, qui vous a donné un grand coup de main pour faire cet album. Ah oui, oui, un grand merci à Patrick. Parce que franchement, m'a connaître Ali, n'a au moins 2 ans, m'y connaît Ali. Mais là, nous l'a travaillé avec lui. C'est quelqu'un de très gentil, très bien. Il explique à ou bien comment ça va faire, comment ça va intervenir. Et moi, il me dit, Patrick, c'est un bon artiste aussi, assez très complet. Parce qu'il chante, il écrit, il mixe, il fait le son, il enregistre, il fait animateur. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Donc, voilà. Sur l'album qui a été enregistré, vous avez eu vos propres musiciens pour accompagner ? Non, non. On a amené... Les bases musicales ? Les bases musicales, la mélodie, les paroles. Et Patrick l'avait, ses musiciens studio. D'accord. Voilà. Donc on a pris ses musiciens lui-même. On a dit, ben. L'équipe est en place. On trouve pas l'équipe. On trouve pas les musiciens par-ci, par-là. Pour aller plus vite aussi, pour être plus facile, ben, autant prendre les musiciens qui est vraiment dans le métier, quoi. Mmh. Voilà. Puis en plus, c'est un staff, une équipe qui ont l'habitude, donc ils savent comment amener les affaires. Ah oui. Et finalement, la partie assez vite. Oui, la partie assez vite. Le Sega, il a l'habitude. Et nous déconnons déjà notre texte et nos mélodies. Donc, les parties, on a pris 3 mois quand même, mais à intervalle. Hein, donc, c'est par cap. Et donc, on a fait 3 mois. Et puis, l'album est sorti décembre 2011. Est-ce que c'est une première fois que vous étiez en studio ? C'est une première expérience ? Oui. Pour moi, c'est la première fois. C'est une première expérience. C'est une belle expérience que je souhaiterais de renouveler. Parce que je aime chanter, je aime faire la musique. Et déjà, promotionner cet album-là, déjà. Mmh. Très bien. Les titres qui composent cette chanson sont des compositions que vous faites avec votre frère. Oui, oui, c'est ça. Ce sont des compositions qui tournent autour de quoi ? De l'ambiance. Voilà, comme la fête d'année, le Noël, joie de l'an. Donc, c'est l'ambiance discothèque. Donc, c'est le clip La Fête qui parle de l'ambiance discothèque. On connaît les gens, ils aiment faire la fête, tout ça. On est des fois qu'on les déprime, on dit mettre tout ça là de côté. Sort un coup. Dans la crise, dans ceci, dans cela. Donc, nous, on a fait la musique de façon que les gens, les patrices, y amusent. Déjà, la vie est dure si vous mettez encore un peu de assombrir un peu les histoires. Et puis, on a aussi le Sega Love aussi dessus. Hein. Sega Love. Et il y a aussi un Segué. D'accord, on fait un petit peu tout. Effectivement, il y a un Segué. Et le Sega Love, alors arrêtons-nous sur le Sega Love. C'est quoi ce concept de Sega Love finalement ? Sega, l'amour. Mm. Ouais, faut chanter l'amour. Les gens, ils aiment bien l'amour. Moi, je trouve que l'ambiance. Les filles, et là, oui, les filles aiment l'amour. Les hommes aussi, ils aiment l'amour. Hein. Oui, donc, oui. J'espère. Donc, voilà. C'est des thèmes que vraiment, on en a des gens qui chantent aussi tout le temps, qu'on trouve dans tous les styles de musique. Voilà, du zouk, de la variété française, du Sega. L'amour est un thème universel, on est d'accord. Après, c'est l'art et la manière. L'art, la manière de le tourner. De le tourner, c'est ça. De le chanter. De le chanter, ouais, voilà. Et en Sega, ça passe bien. En tout cas, ça fait un peu ses preuves, qu'il y a pas mal de chansons en Sega Love.
Ah oui, qui ont eu le premier, enfin l'un des premiers groupes qui a été identifié comme étant un Segati de Segalov, c'était Giovanni avec le groupe Analyse oui, à l'époque, oui. Qui a été un peu le précurseur de toute cette génération. Oui, voilà. Ouais. Qui s'inscrit dans cette démarche de Segalov. Donc l'album est sorti, elle a été enregistrée chez Patrick, nouvelle expérience pour vous, avec les musiciens de Patrick. Et donc du coup, le spectacle que vous proposez, quand vous proposez des spectacles, c'est plutôt sur des bandes-sons, dans des animations, ce genre de choses? Oui, pour l'instant, c'est plutôt des bandes-sons parce que, bon, trouver, comme disons, trouver les musiciens, aller voir un orchestre, c'est pas facile déjà pour se faire connaître à La Réunion, pour en tant chanteur de ces gars. Et nous produisons plutôt sur les bandes-sons, qu'on a fait aussi des scènes là, dernièrement. La fête Chouchou à Salazie. Très bien. La foire Brapanon. Très bien. Donc, nous l'a fait aussi la fête de Safran à la plaine des Grecs, en pleine élection des Miss, tout ça. Donc, En intermède, ouais. Voilà. Entre 2000, vous avez chanté. Après, on a les communions, on a des mariages. Des grands rendez-vous festifs. Oui, voilà, festifs, là, voilà. De la Réunion. Voilà, exactement. Donc, nous continuons. Et nous essayons d'avancer doucement, comme ça. Pour aller arriver jusqu'au bout, en tous les cas, Radia Sega, je pense que c'est un groupe dont on parlera encore beaucoup. Nous allons le retrouver dans un nouveau titre qui est issu de cet album qui s'appelle Allumer du feu. Oui, c'est ça. Et c'est le titre indicatif que l'on retrouve dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Imagine comment mi ça fait pour moi sans ces gars. Bon quand moi t'es maman, moi t'es imagine comment mi ça fait pour sans Maloya. Bon quand moi t'es maman, moi t'es imagine comment mi ça fait pour moi sans ces gars. Bon quand moi t'es maman, moi t'es imagine comment mi ça fait pour sans Maloya. À moi mi aime la musique sans les danses filées, les foulées jusqu'à grand matin. La musique sans tes dents s'épiler, fait rouler jusqu'à grand matin. Allume de feu pour nous danser gababa. Allume de feu pour crase Maloya. Allume de feu pour nous danser gababa. Allume de feu pour crase Maloya. Allume de feu pour nous danser gababa. Allume de feu pour crase Maloya. Alim Dofe pour nous danser gababa. Alim Dofe pour crase Maloya. J'assise dans la cuisine, ma pour réfléchir comment papa m'a monté dans ses gars. Quand on tape son mouchoir, tape dans la main, là l'écrase un bon petit Maloya. J'assise dans la cuisine, ma pour réfléchir comment papa m'a monté dans ses gars. Quand on trappe son mouchoir, tape dans la main, là l'écrase un bon petit Maloya. À moi, mi aime la musique, sans tes dents épilées, défoulées jusqu'à grand matin. À moi, mi aime la musique, sans tes dents épilées. Allume de feu, allume de feu pour nous danser gababa. Allume de feu pour crase Maloya. Allume de feu pour nous danser gababa. Allume de feu pour crase Maloya. Allume de feu pour nous danser gababa. Allume de feu pour crase Maloya. Allume de feu pour nous danser gababa. Alim Dofe pour crase Maloya. Alim Dofe pour nous danser gababa. Alim Dofe pour crase Maloya. Alim Dofe pour nous danser gababa. Alim Dofe pour crase Maloya. Alim Dofe. Allumer
diffus, ça fait un peu, là c'est très, très proche du... Alimé Dofé. Dofé. Alim Dofé. Dofé, parce... Alim Dofé. Alim Dofé. Oui, voilà ça. Alimé Dofé, Alimé Dofé, c'est mauricien. C'est mauricien. Et on... Mais c'est vrai que c'est proche, c'est une façon de, oui, voilà, de traduire en réunionnais. En tout cas, c'est vrai que c'est une chanson qui est bien, bien festive et qui est faite pour faire la fête. Je pense que tu as déjà un petit peu d'expérience sur les différentes scènes. Peut-être même que tu auras l'occasion d'être présent avec nous pour le concert qu'on organise le 4 août au Théâtre Luc Donat du Tampon, avec une nuit créole, Réunion. Et peut-être que tu seras également avec nous pour animer Dofé. Ah ben ce sera un grand plaisir pour nous. Alim Dofé avec nous du côté du Tampon. Voilà. En tous les cas, les projets, les ambitions du groupe là maintenant, c'est quoi? Parce que je sais que tu as quand même un travail à La Réunion, une vie organisée, etc. Oui. C'est quoi votre souhait, vos souhaits? Ben pas trop grand là en ce moment. Hein. Déjà, faire connaître à nous, en tant qu'artiste. La Réunion même, ouais. L'artiste, faire connaître à nous avec ce premier album. Comme disons, il est difficile de se faire connaître en ce moment. Heureusement, on en a tous les pays. Je ne suis pas le seul, mais c'est vrai qu'il y a quelques émissions qui commencent à exister. Oui, il y en a aussi. Il y a voilà. Trois chaînes de télévision, c'est vrai, mais il faut pouvoir diffuser les clips, ce n'est pas toujours simple. Voilà, voilà. Et les radios. Et radio, voilà. Donc, mais c'est difficile quand même. Hein. Il faut aller, il faut booster, il faut, ou ça va taper des dents. Hein. Il ne faut pas dormir. Il faut défoncer le mur pour rentrer. Hein, ouais. Sinon, ça... défoncer peut-être pas, mais tu auras tout le temps passé. Ouais, voilà. Non, c'est une façon de parler. Mais bien bon. Sûr. Mais c'est vrai que les choses ne sont pas simples par rapport à la promotion, à l'accès aux médias, toucher le public, faire une chanson qui plaise, et même si elle est bonne, la voir être diffusée en radio ou sur les chaînes de télévision, c'est toujours un vaste combat, hein, parce que parfois, c'est parfois un combat. On ne parle même pas des grandes chaînes traditionnelles qui ne mettent absolument plus du tout. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Parlons clairement. En tous les cas, c'est dit. Ceci étant, les ambitions, on l'a compris. Est-ce que vous aurez au courant du mois de juillet des spectacles peut-être à annoncer pour le public? Ben, on a la fête de la musique un peu... Un peu partout? Un peu ça, partout. C'est en juin, ça va? Oui, en juillet. Oui, en juillet, on n'a pas encore là pour l'instant. Mm-hmm. Mais tu as de nombreux rendez-vous déjà dans les communions, baptême, mariage. Voilà, exactement. On a des mariages, on a des communions. Ça, c'est des trucs familiales plutôt. Mm-hmm. Moi, quand on parle des grandes scènes, c'est des scènes comme vous disiez tout à l'heure, Luc Donat, Florilège, hein, la foire de Papa Non, les trucs comme ça. Donc ça attention, nous intéresse les petites manifestations chez l'habitant dans les quartiers ou dans les réunions familiales sont très importantes parce que ça permet de tisser un lien avec un public et on se construit souvent à travers ce public-là qui est le premier consommateur de Sega. Déjà, s'il vous invite, c'est bien que vous existez déjà et que vous êtes capable de mettre une ambiance dans un événement familial et c'est toujours très important. En tous les cas, on te souhaite bon vent pour le groupe, l'album, les projets, en souhaitant que tu nous fasses encore de très belles chansons comme tu l'as fait avec ton frère. Merci. Et ben, midi, merci à Couleur Pays, à Monsieur Eric, à Sani, mon frère aussi, Léla, Valéa, et tout ça qui écoute à nous, un coucou, et à la famille aussi. Donc, c'est qu'il veut l'album, il est déjà dans les bacs. Et aller acheter des sur YouTube aussi, Nana. Je connais Internet, il télécharge facilement. En tous les cas, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays. C'était Radia Sega que nous avons fait découvrir cette semaine. Puis rendez-vous également le 4 pour notre rendez-vous au Théâtre Luc Donat du Tampon. Salut!